J'ai remarqué que nos chemins de vie nous apprennent en général à être plutôt conformistes. Cependant, lorsque j'écoute les messages de mon corps, de mon cœur et de mon esprit, je perçois un appel qui m'invite à devenir anarchiste. Anarchiste, vraiment? Mais qu'est-ce que l'anarchisme? L'anarchisme est souvent décrit comme un mouvement social, voire politique, qui réfute toute forme d'autorité coercitive. Pour autant, il repose sur le principe philosophique et fondamental de la liberté individuelle et de l'autonomie. L'anarchisme met l'accent sur la responsabilité personnelle et la coopération volontaire. Un regard qui manifeste une liberté de choix de vie en pleine conscience. Des choix qui peuvent parfois paraître égoïstes, contestataires lorsque non alignés avec les choix de ceux de qui nous entourent. Mais lorsqu'ils sont pris en pleine conscience et en respect de ceux qui nous entourent, ne sont-ils pas des choix libertaires ? Pour comprendre cette dimension d'égoïsme positif, je vous invite à visionner cette vidéo sur la chaîne YouTube Se réveiller pour se transformer. L'égoïsme positif. Un thème que vous retrouverez également sur le blog se réveiller pour se transformer.com. Bonne lecture et surtout soyez zen et relaxés.